Quand les peintres comme Canaletto traduisent sur leur toile la beauté de la ville, d'autres préfèrent se passionner pour la société des hommes et peignent des portraits, des scènes de genre. Capturer l'instant, c'est tout l'art d'un des peintres majeurs de ce siècle, Pietro Longhi. Il est le photographe des rues de son temps. Dans cette scène, il saisit un instant singulier du carnaval, quand l'apparition d'animaux sauvages venait ajouter de l'exotisme et de la rareté. Longhi conjugue un sens très poussé de l'observation avec une ironie subtile. Il brosse les traits des arracheurs de dents, des bonimenteurs, des charlatans, mais aussi des bourgeois et des patriciens souvent nouvellement enrichis. Longhi puise son inspiration dans les estampes aux expressions très vivaces du portraitiste William Hogarth, lequel, à la même époque en Angleterre, caricature la société qui l'entoure. Le genre développé par Longhi sera repris par le maître espagnol Goya, qui l'exacerbera dans sa série « Les Caprices ».